Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 16 avril 2021, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo. Selon ceux qui l'accompagnaient, leur entretien a tourné autour du programme de développement du bloc Ouest et de la Grande Orientale. Rebonsoir. Trois jours après la publication du nouveau gouvernement Samalou Kondo, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience M. Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. La rencontre a eu lieu en début de soirée à la cité de l'Union africaine. M. Jean-Pierre Bemba Gombo était accompagné d'un groupe de 6 députés nationaux représentants du bloc ouest du pays, selon leurs propres termes. À l'issue de cette entrevue de plus d'une heure, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas fait des déclarations à la presse. Par contre, ses accompagnateurs ont affirmé d'avoir pris l'initiative de rencontrer le président de la République avec facilitation de Jean-Pierre Bemba Gombo afin de partager avec lui quelques préoccupations communes de leur province. Tous ces problèmes, ont-ils dit, se trouvent dans un document intitulé « Programme de développement intégré du bloc ouest et de la Grande Orientale » qu'ils ont remis au chef de l'État. Le président de la République a salué leur démarche et a recommandé au groupe des députés de rencontrer le Premier ministre Samalou Kondé. Avant de s'envoler pour le Congo-Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation des organisations féminines et de la jeunesse de Beni et Butembo à la cité de l'Union africaine sur les questions de paix et sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les détails avec la presse présidentielle. Ils sont venus de Beni et Butembo dans le Nord Kivu comme de bons citoyens et pris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leurs propres mots d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes, aux côtés de qui se sont joints deux rescapés de récents massacres, ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire. Les gens sont massacrés, les gens sont tués, sont décapités à la machette. Les femmes sont éventrées, les femmes grosses, les enfants sont cognés contre des pieds. C'est le sabotage de la vie même des Congolais. Très ouverts pendant leurs échanges avec le président de la République, ce digne fils du pays, plein de courage, affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale. Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager. Nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui, attaquer père de la nation, et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité, comme le gouvernement est déjà sorti. C'est ça notre mission, nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays, et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain, après des investigations que nous avons menées. Nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres, envie de pouvoir y proposer des pistes et des solutions afin que cesse le calvaire et soumis à la population de Beni, Butembo et ainsi que la population de Ituri. Le garant de la nation, qui a accordé une oreille attentive à cette délégation, a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays. Il nous a beaucoup félicités comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu. Et nous lui avons aussi remercié pour cela. Et il promet pouvoir classer cette question comme priorité des priorités. Il a d'ailleurs rassuré que ça le dérange, ça le préoccupe. Il nous a parlé des pistes et des solutions qu'il a lui-même envisagées, qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes. La paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable. Au Tanganyika, 13 députés provinciaux sur 25 contre l'Assemblée provinciale du Tanganyika
ont voté pour le départ du président et vice-président de cet organe délibérant. Chose qui juste fustige le président de l'Assemblée. Selon lui, le rapporteur n'a pas qualité de convoquer la plénière. Les détails avec notre correspondant sur place, Mouma Fataki. C'est une mission accomplie. Après un rendez-vous manqué, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale avec la questeur et les rapporteurs adjoints a convié conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de cette institution le député provincial du Tanganyika à la séance plénière. Il a été question d'examiner et de soumettre au vote de l'Assemblée plénière les pétitions signées depuis le 29 mars dernier contre les présidents et les vice-présidents de cet organe délibérant, accusés notamment d'incompétence et de mégestion. Après un débit au grand désarroi causé par les députés provinciaux du FCC ayant basculé en opposition, la plénière se poursuit, mais cette fois à huis clos. Examinant les pétitions après la lecture de celle-ci par les honorables Alexis Kantempa et Kolonemba Virginie, mandataire des pétitions et devant les refus des incriminés, a présenté leur moyen de défense, 13 députés provinciaux sur les 23 présents votent pour la destitution du président et du vice-président de cette première institution de la province, tandis que les autres élus s'abstiennent tout simplement. Le président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, l'honorable Lolo Kitenge Joseph, fustige ses votes et selon lui, le rapporteur n'a pas qualité de convoquer l'Assemblée plénière, car lui aussi est visé par une motion. D'une province à une autre, à Tchopo, le gouverneur de la province de la Tchopo a été déchu par une motion de censure par les députés provinciaux. C'était au cours d'une plénière tenue hier jeudi 15 avril 2021. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick Mangala. À l'issue d'une séance plénière convoquée ce jeudi 15 avril 2021 pour le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial, 17 députés présents en qui ont pris part au vote, les 17 députés provinciaux ont tous voté pour la déchéance du gouverneur Louis-Marie Wale Lofungola, désormais ex-gouverneur de la province de la Tchopo. Il faut rappeler que les députés provinciaux reprochaient au désormais gouverneur de la Tchopo les compétences avérées du gouvernement provincial à exécuter le programme du gouvernement national. Selon le texte réglementaire évoqué par le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur Wale a 24 heures pour présenter sa démission au chef de l'État de la République démocratique du Congo. Depuis l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Patrick Mangala pour les comptes d'antenne A. À Kinshasa, les agents et cadres de l'Office national du tourisme ont organisé un sit-in ce vendredi 16 avril 2021 devant le bâtiment du ministère du tourisme pour demander au ministre sortant Yves Bunkulu Zola de resuspendre la directrice générale de l'ONT, Rosette Saïba, qui était dans l'affaire du présumé détournement des 5 millions de dollars américains contractés dans le but d'améliorer le fonctionnement du établissement. Témoin de l'événement, Patrick Borel Mukindi et Joseph Bilibili pour le compte d'Antena. Les agents et cadres de l'Office national du tourisme qui avaient déclenché depuis quelques jours un mouvement de grève devant leur bâtiment ont vendredi 16 avril, sous un soleil accablant, accompagné de leur équipe syndicale, organisé un sit-in à l'enceinte du ministère du tourisme, situé dans la commune de La Gombe. Et ce, dans le cadre d'une journée de colère pour contester la dernière décision du ministre du tourisme qui a, dans un arrêté, réhabilité la directrice générale de l'ONT, Rosette Saïba Luango, alors qu'elle est mise en liberté provisoire par la justice suite au présumé détournement de 5 millions de dollars américains destinés au bon fonctionnement de cet établissement. En effet, ce sit-in de mécontentement s'est transformé en échange familial entre le numéro 1 du tourisme, Yves Bunkulu Zola, qui a promis aux agents de l'ONT qu'il va annuler les 10 arrêtés qui réhabilite Rosette Saïba Luango jusqu'à ce que le verdict de la justice tombe. État de droit autolingui, face à la séparation, il y a pouvoir. Je ne peux pas contredire une décision, il y a justice. Mais moi, en tant que responsable de tutelle technique, vous évoquez ma problème aux affaires techniques sur mauvaise gestion des ressources humaines.
sur mes gestions. Nakanisi, ma problème moi et ça ma problème place ngai na kozwa décision administrative en tant que ministre et à tutelle. Je mon ABC ma syndicaliste. Revendication ya ba agent bango ba komela ngai. Na sengi bango pour qu'on rencontre préoccupation ya ba agent ba koyi ko saisir ngai te na ba nzembo. Les agents et cadre de l'Office national du tourisme qui allait amorcer une grève sauvage ont obtenu gain de cause dans leur démarche car le ministre du tourisme permuté à la jeunesse au gouvernement Samalou Kondé 1 a éclairé la lanterne et a in fine demandé aux grévistes de reprendre le travail sous les commandes de la directrice générale ad intérim Jolie Yombo Mukendi qui a changé l'image de l'ONT en seulement 3 mois de gestion avance les travailleurs de l'Office national du tourisme. N'édit-on pas que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, en société délabrement de la route Ouangata dans la commune de Lagombe, les usagers des 7 contrées font appel aux autorités compétentes pour leur trouver une solution. Patricia Ndongo et José Moussangana ont signé pour vous ces reportages. L'avenue Ouangata, qui est au croisement des avenues Colonel Ebeya et Chuapa, se trouve dans un état de délabrement très avancé, si bien que les usagers de cette route en appellent à l'implication des autorités compétentes. Nous souffrons énormément à cause de l'état de cette route, alors que les autorités passent par ici. Cette route de Ouangata est non loin de la ville. Elle sert de secondaire car beaucoup de chauffeurs contournent leurs difficultés en passant par ici. Nous implorons les autorités de s'y pencher. Bon, par rapport à Zéloyo, et Bébi Léloté, depuis Zéla, Isaac Obeba. C'est depuis longtemps que cette route se trouve dans cet état. Mais grâce à ce nouveau gouvernement, nous croyons qu'on va pouvoir la réhabiliter. Tout ça, quand il s'est engoupé, n'a pas été un gouvernement, n'a pas été mis. Ya Fati Béton, papa Nabiso Ayebi, côté Aouti, akomeka kobongisa malembe malembe. Tolobite nyonso, mais malembe malembe, po nzela o ya wangata, isungaka biso mingi, soki ambotea jezana wileri, bimi tuke ko bimati, bakabinda kuna adok. Cette impraticabilité devrait interpeller les autorités, car cette route est d'un intérêt commun. La laisser dans cet état, c'est pérenniser des embouteillages qui s'y font. Oui, dans notre rubrique actualité vue par les autres, Esther Badibiabia a tendu son micro à Taz Maïmouna qui est journaliste à PSTV. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par la sortie du gouvernement Samalou Kondé. Suivez. Les grandes lignes d'actualité, jusque-là, vous le savez que depuis la sortie du gouvernement de Samalou Kondé, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand-chose parce que les différents ministres ne se sont pas encore mis à l'œuvre pour commencer leur travail et on attend l'investiture. Entre-temps, il y a des messages de félicitations qui arrivent, il y a des recommandations que certaines personnes reformulent pour essayer un peu d'orienter les choses, pour avoir un Congo beaucoup plus meilleur parce que là, vous le savez, d'où nous venons et le stade où nous nous trouvons actuellement, le président Félix ainsi que l'ensemble de ce nouveau gouvernement de Samalou Kondé, il y a vraiment beaucoup de défis à relever, raison pour laquelle de réunions continuent à se multiplier, des consultations continuent pour voir comment est-ce qu'on pourra répondre favorablement aux besoins de la population congolaise. Mais toujours dans l'actualité, il y a un groupe de députés qui ont manifesté et devant le bureau de Christophe Mboso, qui est tout simplement président de l'Assemblée nationale. Ce groupe de députés sont membres de l'Union sacrée. Donc, ils manifestent leur colère par rapport au choix des ministres. Donc, Samalou Kondé qui a composé son gouvernement. Donc, voilà, on savait que tout le monde ne sera pas totalement satisfait parce que, comme vous voyez, l'Union sacrée est composée de plus de 350 députés. Et là, vous devez faire un choix d'une cinquantaine pour diriger ou encore avoir de ministère. C'est vraiment compliqué de satisfaire tout le monde, mais moi je crois bien que ce n'est pas la chose qui devrait être normalement faite. Donc on a vu ces députés devant Christophe Mboso fustiger le comportement de Samalou Kondé. Donc ils ne sont pas satisfaits par rapport à cette nomination, encore aux différentes nominations dans différents postes. Donc.
En sport, pour remplacer l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, qui a été incapable de donner la qualification pour la CAN Cameroun, plusieurs coachs ont présenté leur candidature pour prendre la succession de Christian Tsengui Biembe. La FECOFA examine minutieusement les demandes. Patrick Borel Moukedi. C'est au mois de juin que va débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et plusieurs entraîneurs se pointent à la porte de la Fédération Congolaise de Football Association pour succéder à Christian Tsengui à la tête des Léopards. Commençons avec le Français Sébastien Minier qui a déjà envoyé sa candidature. Quelques sources révèlent que les négociations seraient plus avancées avec les Français, l'ex-assistant de Claude-Marie François Leroy et de Jean-Pierre Papin. Minier affirme vouloir donner la qualification de la prochaine Coupe du Monde à l'ère des Congo, en mettant en exergue son expérience acquise sur le foot africain après ses passages dans nombreux pays comme l'ère des Congo, Oman, Togo, Congo-Brazzaville, Kenya, Guinée équatoriale. La liste n'est pas exhaustive. Sébastien Minier accepte de résilier à Kinshasa avec un contrat d'objectif, qualification à la Coupe du Monde après celle de 1974, ce qui sera une bonne chose car le peuple congolais pourra revivre ses sentiments. L'autre prétendant, c'est le technicien belge Hugo Henri Bros, le vieux blanc, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, organisée au Gabon avec les Lions Indomptables du Cameroun et a joué la Coupe de la Confédération en 2017, écarté au premier tour. Ces natifs de Umbek connaît déjà les réalités du football africain. Voilà pourquoi il veut ramener les Léopards au sommet en mélangeant les locaux et les professionnels. D'autres supporters congolais réclament le franco-congolais et ancien milieu défensif du Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain et de bleu français Claude Makélélé-Sinda. Mais aussi Hervé Renard, vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Cette option sera difficile car l'homme de la chemise blanche est encore sous contrat avec l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. Il peut rompre si une autre nation proposerait un salaire dépassant celui des Saoudiens. Pascal Prudhomme et Christian Gorcuff, le père de Johan Gorcuff, ancien coach de Moubélé dans le club français des Rennes, sont aussi intéressés de rejoindre les Léopards de l'RDC pour cette aventure qatari. Mais c'est au comité exécutif de la FECOFA, Constant Marie, Roger Bondembe, Théo Binamungu et Si, en collaboration avec le gouvernement congolais, de faire les choix puis décider. Pourquoi cette fois-ci un blanc? Beaucoup se posent aussi cette question, parce que les nationaux ont peut-être démontré leurs limites. Ibengue Florent, 3e place en 2015, quart de finale en 2017 et 8e de finale en 2019. Descente aux enfers. Et Christian Tsengui Biembe, CCCO, n'a même pas décroché une place parmi les 24 nations qualifiées pour la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022. Du surplace, donc, donnons la chance à une autre personne. Puis en prévision des 9e Jeux de la Francophonie que la République démocratique du Congo va accueillir en 2022, les judokas Okatangé se préparent avec Arne pour figurer sur la liste de présélectionnés, raison pour laquelle les athlètes profitent des combats amicaux sponsorisés par la fondation Eldos Women's Kimbo Kodo pour être en forme avant ces grands événements des pays partageant la langue française. Patrick Borel Mukendi et Hugues Moussangilaï nous en parlent. Le 9e jeu de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa en août 2022 se pointe déjà à l'horizon. Voilà pourquoi la fondation Eldos Women's Kimbo Kodo de Madame Nicole Alexander Sharon a, à travers son représentant AR de Congo, prophète Kish Botono, venu à la rescousse des judokas du Okatanga. 4 clubs de Lubumbashi étaient en lice sur les tatamis dans toutes les catégories pour ces combats amicaux de qualité qui ont tenu en haleine les amoureux de la discipline des Jigoro Kano. En tout cas, les judokas ont vraiment évolué. Nous avons apprécié, ils ont vraiment évolué. Ils sont capables même d'aller à la francophonie parce que c'est bientôt la francophonie. Pour les jeunes, ils iront là, mais la qualité a vraiment évolué. En tout cas, merci à vous Christophe pour votre présence. Vous nous soutenez aussi beaucoup en judo. En tout cas, ne manquez pas de le faire encore dans la prochaine occasion. Réussiciter cette discipline est une bonne chose pour les judokas qui vont devoir participer aux différentes compétitions. Je suis venu ici avec un seul objectif, encourager ces jeunes sportifs, particulièrement pour aujourd'hui, le judoka de Lubumbashi, qui ont besoin du soutien de tous pour bien évoluer. La fondation Aldos Women's a apporté le peu qu'elle avait.
La fondation Eldos Women's Kimbokodo qui veut aider les jeunes sportifs congolais a la mission d'étendre ses actions dans presque toutes les 26 provinces de la RDC. Pour boucler en beauté cette journée, athlètes et organisateurs ont reçu les prix mis en jeu. Sport encore et toujours, le sort sumo et lutte japonaise. Cette discipline de combat existe en République démocratique du Congo. Cette dernière est dirigée par le général Franck Moulesso. Les détails dans ses reportages signés Ndaye Lambouchi. Méconnu du grand public, pourtant reconnu officiellement par le ministère des Sports et Loisirs en RDC, le sumotori est une discipline de combat des luttes japonaises qui consiste à faire sortir l'adversaire hors d'un cercle marquant la zone des luttes ou à le faire tomber. En RDC, la présidence de cette fédération est assurée par le général Franck Molesho Bozeme qui revient ici sur les objectifs assignés à la Fédération nationale congolaise de sumotori. Faire avancer le sport au Congo. Il est évident que le sumo n'est pas connu en tant que tel, mais la lutte est connue au Congo. Et ce sont plutôt les traditions qui sont différentes, ce sont les cultures qui sont différentes, mais en fait, les Congolais ont une tradition de lutte. Et nous comptons sur cela pour que le sport de sumo puisse avancer dans le pays. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Tout d'abord, c'est de divulguer le sport. Ça fait presque 2 ans que la fédération existe. Et nous allons tout faire pour essayer de divulguer le sport, pour essayer de ne pas essayer. Il faudra qu'on arrive au but vraiment et de faire et connaître le sport au niveau du pays, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les activités, n'est-ce pas? À court terme, à moyen terme et à long terme, pour que d'ici d'ici 10 ans, que l'on puisse compter et le sumo parmi les sports qui sont les plus populaires et, n'est-ce pas, dans la République. Voilà. Pour le dire, hein, et nous avons déjà participé à des compétitions internationales, cela est vrai, mais nous devons consulter les autorités qui, n'est-ce pas, régulent ces activités. Nous allons voir s'ils peuvent nous insérer. Mais ce qui est important tout d'abord pour nous, c'est que le sport soit divulgué, soit répandu en République, soit populaire en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons faire un travail de fourmi et nous allons travailler d'arrache-pied pour que, n'est-ce pas, le sport de sumo soit une évidence, comme je l'ai dit tantôt, dans notre pays. Pour une petite histoire, retenez que l'RDC médaille de bronze en cette discipline lors du championnat d'Afrique organisé au Maroc. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique, Actu Voa. L'élection présidentielle et les législatives au Mali se tiendront le 27 février 2022, selon le gouvernement qui réitère la promesse de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 18 mois. Les éventuels second tours auront lieu le 13 mars pour la présidentielle et le 20 mars pour les législatives. Le Niger est en deuil après la mort d'une vingtaine d'écoliers âgés de 3 à 5 ans dans l'incendie d'une école quartier Pays-Bas en périphérie de Niamey. Des dizaines de parents et d'enseignants étaient choqués mercredi au lendemain du drame. Des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué pour la 4e fois depuis samedi la ville de Damasak dans l'état de Borno au nord-est du Nigeria, faisant au moins 8 morts, 12 blessés et des milliers de réfugiés selon des sources locales et l'ONU. Au Malawi, le Parti démocratique progressiste, ancien parti au pouvoir, a demandé jeudi que le président Lazarus Chakwera quitte ses fonctions suite à la dissolution de la commission électorale. M. Chakwera a revoqué cette semaine l'ensemble des commissaires électoraux du pays, déclarés incompétents par la Cour constitutionnelle suite à la présidentielle annulée de 2019. Complétons à présent ce journal avec les journaux Paris ce vendredi 16 avril 2021 dans une sélection et un commentaire de Patrick Paul d'Or Ngaziami. Le sujet est présenté en manchette, sinon il occupe un coin de la une des journaux parus ce vendredi 16 avril 2021.
Forum des As parle de Rififi à l'Union Sacrée, où des députés frondeurs disent n'avoir pas été récompensés à la hauteur de leur lutte pour faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. Frustrés, après la publication du gouvernement, le lundi 12 avril, écrit le quotidien, ils auraient décidé de bloquer l'investiture de l'exécutif Samalou Kondé. La prospérité fait aussi part de la même menace de ceux qui furent des pétitionnaires au moment le plus fort de la recherche de la requalification de la majorité parlementaire. Hier, écrit le journal, l'on a appris qu'ils auraient adressé une lettre à Félix Tshisekedi pour l'interpeller et réclamer le respect des promesses qui, à leur avis, n'auraient pas été tenues. D'où, poursuit-il, l'épée de Damoclès est désormais suspendue sur la tête de Samalou Kondé Kiengé, 43 ans. Parlant toujours de la même menace de blocage de l'investiture du gouvernement, le tonnerre préfère le qualificatif révolutionnaire à pétitionnaire et ajoute à la raison principale de leur réaction évoquée ci-haut le non-respect des engagements par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, et la non-représentativité nationale de ces gouvernements. Gronde et chantage, ce sont les mots-clés de la manchette du journal Africa News pour qualifier la situation qui prévaut au sein de l'Union sacrée de la nation, précisément au sein de l'Assemblée nationale. En effet, ont rapporté certaines sources au tri-hebdomadaire, les députés du collectif des révolutionnaires, c'est-à-dire les frondeurs, exigeraient jusqu'à 50 000 dollars américains, sinon des jeeps, à titre de récompense au combat mené pour avoir débarrassé Félix Tshisekedi de son ex-allié, le FCC de Joseph Kabila, qui l'a empêché de conduire à bon port son action politique. Un député Union Sacrée de la Nation a révélé qu'ils ont commencé des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, avant d'être reçu au moment opportun par le président de la République. Congo Nouveau apporte une précision au sujet de l'effectif de ces députés en rébellion contre Fatshi qui, aux dernières nouvelles et selon l'information livrée hier jeudi 15 avril par le député Daniel Mbao, élu du MLC, serait passé de 138 à 200. Les observateurs de la scène politique congolaise estiment que les velléités de ces élus révolutionnaires doivent être stoppées, sinon il y a à craindre que d'autres groupes se constituent pour poser le même problème. Quant à l'avenir, il dit simplement non au chantage et rappelle que Félix Tshisekedi garde encore sa menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Le quotidien Le Journal annonce pour sa part que la Cour constitutionnelle aura son président le mardi 20 avril, sauf avis contraire du président de la République. La plénière de cette Cour a fixé à cette date l'organisation de l'élection du président de cette institution. C'était à l'issue de sa réunion du mardi 13 avril 2021. Enfin, avec la République, l'on apprend que des pressions seraient exercées pour la création d'un tribunal international pour la République démocratique du Congo. Ce dernier pourrait ainsi s'occuper des cas de massacres et génocides perpétrés à l'est de la République par les groupes armés et les armées étrangères. Bonsoir et bon week-end chez vous. C'est la fin de ce journal, mais avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo. Selon ceux qui l'accompagnaient, leur entretien a tourné autour du programme de développement du bloc Ouest et de la Grande Orientale. Ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'économie. Ne quittez pas. Suivez-nous et je vous retrouve tout à l'heure dans l'économie. Au revoir.